I'm here with Nkinzi Anselme. He's from Info Environment. Nkinzi, can you please introduce yourself more? And you can do this in French because I hear you're from Congo. Go ahead. Je suis Anselme Nkinzi. Je travaille pour un média scientifique, Info Environnement, qui traite des sujets d'environnement, de santé et d'agriculture. J'ai fait mon reportage sur l'eau que prennent les gens de Kanduka, une cité, un quartier donc populaire de Kinshasa. Et l'eau qu'ils puisent est juste à côté donc du cimetière. Et j'ai eu à faire ce reportage juste là où les gens vont puiser. Et quand il y a éboulement, quand il y a éboulement, il y a des corps, donc des gens ensevelis, qui tombent dans cette rivière où les gens vont justement puiser de l'eau. Et il est regrettable de voir juste donc ce genre d'histoire. Ça, ce sont des linceuls, des draps de lit qui tombent dans cette rivière-là. Et jusqu'à ce jour, les gens continuent à enterrer les gens. Et par manque d'eau, les gens continuent toujours donc à puiser donc dans cette histoire. La situation est vraiment catastrophique. Et c'est au centre donc de la ville de Kinshasa. So I understand you are writing about the issue going on. What has been the result up till now for writing about this issue? Dès que j'avais réalisé les premiers reportages, il y a eu d'autres médias, notamment la télévision, qui ont donc répercuté donc l'écho et qui ont poussé donc le gouverneur de la ville à prendre des décisions. Et nous l'avons rencontré récemment et il a promis donc de mettre des fonds donc pour réaménager donc une source au niveau de Kanduka. Nous attendons donc que cela soit réalisé. I understand that the situation is not solved yet. People are still being buried there. What still needs to be done? On a longtemps donc décrié le fait que l'on continue à enterrer les gens aujourd'hui. Mais la situation n'a pas changé. Les gens pauvres qui ne peuvent pas aller très loin y enterrent leurs gens par manque donc de transport et à cause de la proximité aussi. Okay. Do you have anything to add? Non, je lance seulement un SOS donc aux autorités congolaises pour qu'elles prennent donc conscience de la situation. Et que si on ne ferme pas les cimetières, mais qu'on aménage vraiment donc des sources d'eau potable donc pour la population de Kanduka. Thank you very much for this bad news, basically. Thank you. And good luck in your work. Okay. Thank you.